Bien bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas vu. Aujourd'hui, on se retrouve pour 24 heures dans ma vie. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Parce que dernièrement, c'est pas des vlogs que je vous ai fait. Donc finalement, je vous ai pas vraiment emmené avec moi cette année. Là, je suis prête et je suis en retard. J'ai une heure de retard parce que je me suis réveillée une heure en retard. Donc voilà, en espérant que Chloé ne me tue pas quand je vais arriver à la fac. Du coup, là, je vais mettre mes affaires dans mon sac. Je vais prendre un truc à grignoter parce qu'il est... Il est 8h22, du coup j'ai encore un peu de temps, mon bus est dans 30 minutes. Donc je mets tout dans mon sac, je monte prendre un truc à manger et puis après c'est parti. Aujourd'hui du coup j'ai cours de droit de la famille ce matin. Avec Chloé normalement on va aller manger et après on va à la BU si tout se passe comme prévu. Et ce soir j'ai la gym. Du coup ce que je vais emmener aujourd'hui, je vais prendre mon PC pour la fac quoi. Je vais prendre une trousse, je vais prendre des feuilles, je vais prendre ma tablette parce que je sais pas si je vais faire que du TD ou si je vais réviser aussi. Je sais même pas combien de temps on va pouvoir rester là-bas. Donc on prend tout comme ça on est carré. Bon bref allez c'est parti. Bon du coup je vais quand même vous faire un topo de ma vie actuelle pour vous expliquer un peu ce qui a changé et pourquoi je suis partie de YouTube et pourquoi j'ai mis du temps à revenir. En fait ce qui s'est passé c'est que en octobre-novembre je me suis quittée par mon copain et du coup ça a fait que c'était brutal. Genre ça a été un choc, c'est pas un truc auquel je m'attendais. Et bon je vais pas trop vous donner plus de détails que ça, mais quand on se fait quitter pour une autre, l'ego il en prend forcément un coup, c'est obligé. Du coup bah, c'est ce qui s'est passé et je l'ai très mal vécu, vraiment très très mal. Et en fait à partir de ce moment là ma routine elle a totalement changé parce que déjà j'allais pas très bien, faut se le dire. Je passais de moins en moins de temps sur les choses que j'aimais parce que ça me le rappelait lui, étant donné qu'on partageait plein de choses. Pour oublier entre guillemets j'ai plus travaillé, je me suis rajouté un deuxième taf comme si un c'était pas suffisant. Donc ce qui fait que ça me prend aussi beaucoup de temps maintenant dans la semaine. Ah oui, et j'ai oublié tout à l'heure aussi, mais il y avait le sport, parce que j'allais souvent à la salle. Aujourd'hui, je ne vais presque plus à la salle. Voilà, j'ai pas retrouvé encore cette motivation totalement. Et donc j'essaie de me remotiver à faire des choses que j'aime, parce que bah, je vais mieux en fait. Et enfin depuis un petit moment maintenant, parce que bon... D'ailleurs on est le 29 mars, donc oui... quand vous aurez cette vidéo, on sera sûrement en avril. Mais oui, du coup, voilà où on est ma petite vie en ce moment. Et puis là, bah, en fait, je recommence à vlogger quand les examens arrivent. Mais c'est top, ça! J'ai un contrôle, du coup, demain soir en droit constitutionnel. J'ai un contrôle en anglais jeudi après-midi. Et j'ai un examen blanc, un partiel blanc, samedi matin en droit de la famille. Donc, est-ce que ça va être sympa? Bah oui, totalement. Donc bref, du coup là je finis de me préparer. On pourrait voir. On se prend de leur gueule discrètement, ou pas, ça dépendra. T'as l'air très concentré là. Je suis solitaire. Tiens regarde, si tu veux regarder en même temps. Horrible. C'est marrant. Ah, il y a le bout derrière. Sur le mec de derrière mais pas sur toi. Ah là on est bon, nickel. On est bon. Oui on est bon. Mais c'est pas grave. Du coup en fait 22h c'est notre sieste. Et après on tape la nuit. En vrai c'est ce que je vais devoir faire. On fait des périodes de minuit 2h, 5h, on dort de 3h à 5h, après on se réveille pour taper. C'est un peu ça. En fait on fait des micro siestes. Oui bah oui. C'est un peu ça le principe parce qu'on carbure à 3 litres de café par jour. On paye une sale blinde. Et c'est pour ça qu'en plus de ça, on a la dèche. Ouais. On réussit pas nos examens, on a la dèche. Bah là, on se profite. Je dois censurer ça. Moi, je fais des procédés. Hein. Oui, bah oui. Oui.
Ouais. Oui, tu vas manger ma monétisation et je vais gagner encore moins de temps. Ça va. C'est vrai qu'on est déjà pas loin du fauchage. Ouais, mais c'est pas grave. J'ai emmené mon livre de droit pour qu'on l'utilise. De toute façon, on n'emprunte pas les manuels de la BU. On va jusqu'au concubinage, c'est ça? Je crois. Bientôt, je vais marquer comment cacher un corps, ils vont me faire. Mais en vrai, oui, t'avais raison hier. Hein. Si jamais un jour on fouille dans notre historique. Bah, on est dans la merde. Moi, j'ai vraiment comment harceler les gens à cause de l'anglais. Ah oui, mais moi aussi. Moi, j'ai le harcèlement au travail. Et j'ai reçu un sondage genre, êtes-vous harcelé dans votre milieu professionnel? Ça va être chaud quand on va faire du droit pénal, hein, si on fait du droit pénal. T'imagines un peu? Ouais, bah oui, comment cacher un corps, c'est pas mal. Ouais, moi, je reste sur ça. Si quelqu'un a une idée sur comment on cache un corps, à part le mettre dans de la soude. Bah en vrai, je vais dire un truc, mais je sais pas si c'est mélange eau, enfin chaud, soude. Chaud, soude, sinon tu démembres, tu donnes à manger au cochon et après tu le dissous. Ou alors tu le tues avec de la chlorure de potassium, ce qui ne laisse aucune trace parce que le corps en produit quand il décède. Ah. Oh putain, il a trop. Ça fait peur à l'imite. C'est pour ça que je vous ai pas le dire. Ne vous inquiétez pas, je vais pas venir chez vous situer. On connaît tous nos secrets maintenant. Il y a un autre bruit aussi. Alors, petite séance de révision. Éclaté. C'est tout? Oui. Bah mon crayon il m'a lâché, donc j'ai pas pu finir. Après j'ai dû réviser sur ordi, j'ai complété mon cours avec le cours de ce matin qu'on n'a pas vraiment fait du coup. Oui. Je l'ai complété avec le livre. Mais déjà on n'est pas parti en avance. Pas trop. On est parti à l'heure, c'est incroyable. Ah oui c'est vrai ça. On a fait le cours en entier. C'est un miracle, ça nous est pas arrivé depuis combien de temps ça? En vrai, un moment je pense. Bah si droit concis tu restes jusqu'à. Ah non même pas j'ai rien non, dit. Même pas, on part, même pas, on part au bout de 2 heures. Mercredi on vient plus, vendredi on vient plus. Sciences Po on se barre avant la fin, 10 minutes. Droit concis du coup 1 heure. Ouais. Et droit de la famille on reste jusqu'au bout alors que c'est chiant. Voilà. Incroyable. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Aucune idée. Je sais pas. Tu veux que je te prenne en photo? Non c'est. C'est que je te blague? Ah non tu peux faire un. Tu peux te voir toi. Tu veux faire ça comme ça? Ouais c'est je peux faire ça comme ça mais bon. C'est bon. Ça coûte ça plus. J'espère que c'est bon. C'est vrai que le smoothie c'est pas gratuit. 4,60. Ouh. Attends, on va faire un petit zoom dans le sens. Zoom sur ta tête de dépressive après le prix. Attends. Hello, c'est moi. Du coup, là, il est 16h30. Je viens à peine de rentrer et bah, je suis un peu en retard. Donc, je vais me dépêcher. Il faut que je me change. Après, je vais aller à la gym parce que, en gros, du coup, le cours de gym commence à 17h15 et du coup, j'essaie quand même d'arriver en avance, au moins une demi-heure en avance, pour installer la salle parce que je suis toute seule. À tout installer. Du coup voilà bah comme d'habitude c'est quelque chose que je vais pas vous montrer. Enfin si je peux vous montrer à peu près tout ce que j'installe dans la salle vite fait. Peut-être quelques plans, je sais pas du tout ce que je vais vous montrer. Mais sinon si c'est pas le cas on se retrouve ce soir. Et je sais pas du tout ce que je fais. Je sais pas si je reprends le vlog aussi jeudi ou si je le reprends pas. Et jeudi j'en fais une autre vidéo parce que on a prévu de faire une nuit de révision avec madame Chloé. Donc on va voir
On va voir ce qu'on fait. Voilà. Mais du coup, là, je me change vite. Je pars à la gym. Et puis, on se retrouve ce soir. Parce que ce soir, c'est Koh-Lanta. Donc, voilà. Comme ça, ça va me faire un petit break de révision. Parce que j'ai pas mal bossé aujourd'hui. Je suis très fière de moi, mais je vous raconte ça tout à l'heure. Bref. Bon, alors, me revoilà avec une tête absolument... J'ai pas les mots. Bref, il est 21h30. J'ai rien pu vous filmer avant parce qu'en fait... Trop dans le rush et tout. Donc du coup j'ai rien du tout filmé. Même mon repas et tout, pareil, c'était dans le rush. J'ai pris une douche pour me détendre parce que je me suis un peu énervée ce soir à la gym. Enfin rien de très grave. Mais du coup voilà, j'étais un peu sur les nerfs. Et en fait ça m'a pris encore plus d'énergie. Donc là je suis totalement KO. Mais en fait il n'y a pas Koh-Lanta ce soir. Donc qui dit pas Koh-Lanta dit du temps. Et je me suis dit que j'allais réviser et puis après j'ai vu l'état de ma chambre et je me suis dit c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça, il y a un moment faut faire un truc, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas rangé ma chambre parce que pas le temps en fait, trop dans le rush tout le temps, ça fait genre 3 week-ends que je suis prise totalement, mais genre vraiment totalement, du coup bah j'ai pas le temps... J'avais pas le temps même le week-end et tout. Donc là, je vais prendre au moins ce temps pour ranger ma chambre. Sinon, pour faire un petit bilan de la journée, on a bien travaillé avec Chloé aujourd'hui à la BU. Après, on est un peu saturé, donc on est parti. Moi, j'ai bien avancé sur mon TD. En fait, je l'ai presque terminé. J'ai juste à mettre en forme après le cas pratique parce que là, j'ai fait que des petites, phrases. C'est même pas des phrases en fait. C'est plus des mots assemblés que des phrases. Voilà. Donc en soi il est terminé, c'est bouclé, demain du coup bah pas le temps de travailler donc voilà, jeudi je réviserai un peu mon anglais le matin et après je pourrais passer la nuit à réviser pour mon droit de la famille, mon galop d'essai de samedi parce que du coup on s'est prévu ça avec Chloé, on s'est dit qu'on allait passer une bonne partie de la nuit à réviser. Parce que là c'est le rush total et qu'à un moment bah on veut réussir nous, le vendredi matin j'ai pas cours. Enfin en tout cas, je ne vais pas en cours plutôt. Donc du coup voilà, c'est top. Arrêtez de blablater, je vais me mettre à ranger. Parce que j'ai même pas vidé ma valise. Alors que je suis rentrée dimanche soir et qu'on est mardi.